Départ du Coudray, juste au sud de Jarzy, dans les Bauges. On va monter par là, à travers les bois, en espérant que ça se dégage un peu, parce que le paysage là-haut est splendide quand il fait beau. Voilà, c'est parti. Ça manque un peu de neige par endroit. Au premier croisement dans la forêt, il faut prendre direction Précherel. Je vais peut-être enlever les raquettes si ça continue comme ça, qui m'ont été bien utiles parce que le chemin de montée est bien gelé, même si par endroits c'est caillouteux. Allez, je continue par là et je descendrai de l'autre côté. Je n'ai pas déchaussé et puis je suis passé à travers bois un petit peu. Et après, il y a beaucoup plus de neige sur le chemin. Il y a un moment, on arrive à un endroit où le sentier redescend un petit peu. Donc à cet endroit-là, on peut continuer tout droit quelques centaines de mètres, puis tourner à droite par la route forestière. Parce que si on continue tout droit, on va sur Précherel. Ou alors, juste à l'endroit où ça redescend, il y a un petit sentier qui monte tout droit, qui est assez raide, mais qui est intéressant. Allez, je monte tout droit. Les arbustes sont pleins de petites aiguilles de neige, c'est très joli. Voilà, sommet du petit chemin. On rejoint la route forestière, donc qui monte, qui monte. C'est magnifique aujourd'hui. Je sais pas si on voit bien sur le film, mais c'est tout givré. Et me voilà presque au sommet. Ici, c'est le chalet d'Allan avec tous les alpages autour. Bon, là, pas grand chose à paître. Le panneau est quand même bien enfoncé là. Après, ben, faut continuer tout droit. Et la croix se trouve là-bas au bout. Comme à plusieurs endroits, ben, la croix a été cassée, c'est dommage. C'est des croix qui sont ancestrales, qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Bon, j'espère qu'ils la reconstruiront cet été. Il y a vraiment des gens qui n'ont rien d'autre à foutre. J'espère que ça leur portera malheur. Un petit panoramique, là-bas c'est le roc des Bœufs. Là c'est la dent de Pleuvaine. Ici c'est le mont Trélo, il est magnifique vu d'ici. Là c'est l'Arcalo. Le mont de la Coche, jolie pyramide. L'encerclement.
quelques randonneurs. Le Péclo. La pointe des Arces. La pointe des Arlicots. La dent d'Arcluse. Par là au fond, ben c'est vers Grenoble. Un aperçu de la Chartreuse. Ici, c'est le Colombier d'Aillon. Et là-bas, la dent de Rosanne. Le spectacle est magnifique aujourd'hui. L'ombre d'un arbre dans la neige. Superbe ramification. Là, c'est le chemin de descente qu'on retrouve un peu plus bas là-bas. Et comme j'aime bien m'amuser tout seul, tranquille, je vais descendre tout droit là. Par où sont passés les skieurs. Arrivé plus bas au petit chalet, on passe entre les deux chalets, puis après dans la petite trouée qui descend tout droit, dans les arbres. Arrivé au pied de la trouée, on rejoint le sentier qu'on prend à droite et qui descend tout droit vers Coudray.